Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois. Il est digne de recevoir nos acclamations et nos cris de joie. Alléluia. Voilà, nous voulons chanter un chant. Qui dit un chant s'élève vers notre roi. Nous voulons le faire avec nos cris de joie et nos acclamations. Ensemble. Oh,
cœur qui revient à toi. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Qui pourra t'aider?
qui pourra taire notre prière. Dansons devant lui. Dansons devant lui. Rempli de sa vie. Rempli de sa vie. Oh Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Chantons sa louange. Et ouvrons les portes. Oh Dieu des gloires. Dansons les cris de joie. Celui devant qui les portes élèvent les linteaux. Les portes des maladies élèvent les linteaux pour que le roi des gloires fasse son entrée. Nous voulons lui dire ce matin, à toi le roi, sois l'honneur et la gloire à jamais. À toi le roi, à toi le roi, à toi le roi devant qui tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que tu es le Seigneur. Oh, 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 oh. À toi le roi, sois la louange. Voilà pourquoi les anges ne cessent de le dire nuit et jour à celui qui est assis sur le trône. À toi le roi invincible.
jamais, à jamais, à jamais. L'autre roi qui est glorifié comme toi. Et sois l'offrande de nos acclamations, de nos louanges, qui élève ton Saint-Nom. Toi que le Père a élevé, toi que le Père a couronné de gloire et d'honneur, toi qui as été abaissé des paix inférieures aux anges, nous te voyons couronné de gloire et d'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le roi au-dessus de tout nom. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ce que tu veux au ciel, tu l'exécutes sur la terre. Et personne ne dit que fais-tu. C'est toi le roi créateur qui donne le royaume, non pas à ses sujets, mais à ses enfants, qui tient un héritage, le royaume, pour ses enfants. Merci Père. Même si nous n'avons connu des parents qui ne nous ont rien laissé, par leur caractère, par leur vie, par leurs témoignages, ils nous ont laissé la honte. Mais toi, tu nous laisses la gloire. Toi, tu nous donnes la gloire. Que ton nom soit béni. En ton glorieux nom, nous prions, nous disons Amen. Merci, veuillez vous rasseoir. La réintroduction du roi et de son royaume. Pourquoi? Parce que ce même roi a déclaré lui-même, ne crains point des petits troupeaux, votre Père vous a réservé un royaume. Il a trouvé bon de vous donner un royaume. Waouh!
Vous cherchez quelque chose de ce monde qui ne ressemble rien au royaume. Mais le Père ne vous donne pas autre chose que le royaume. Ne crains point, disons ensemble avec moi, ne crains point les petits troupeaux. À haute voix ensemble, je laisse mon micro. À votre Père. J'écris au tableau, disons ensemble. Ensemble. Il a trouvé bon de vous donner un royaume. C'est ce que vous pouvez chercher. Et il va dire plus tard, cherchez premièrement le royaume. Et toutes choses vous seront données. Qu'est-ce qui se trouve dans le royaume, sinon le pouvoir? Amen. Nous pouvons paraphraser, cherchez premièrement le pouvoir. Parce que le pouvoir, lorsque vous l'avez, vous allez influencer. Vous allez dominer. Mais le pouvoir, non pas comme le pouvoir de ce monde. Chacun de nous, que vous le voulez ou pas, que vous soyez un peu humble ou pas, vous avez besoin du pouvoir. Dites à qui vous avez besoin du pouvoir. C'est pourquoi il y a le pouvoir d'argent. Il y a le pouvoir des médias. Il y a le pouvoir, il y a le pouvoir militaire. Mais il y a certains pouvoirs qui cherchent le pouvoir dans l'occultisme, dans les sociétés secrètes, dans la sorcellerie, dans des pratiques ésotériques. Ils cherchent le pouvoir pour dominer les circonstances. C'est ce que Dieu a donné. C'est ce qui sort de l'homme, c'est humain. La recherche du pouvoir. Les parents dans la famille cherchent le pouvoir. Même s'ils ne travaillent pas, il a le pouvoir paternel. Même s'il n'a pas d'argent, il a le pouvoir paternel. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne peuvent pas honorer leurs parents. Parce qu'ils n'ont rien. Les femmes ne respectent plus leur mari parce que c'est elles qui se débrouillent, mais qui ont oublié l'ordre créationnaire de Dieu que l'homme a le pouvoir. C'est un problème aujourd'hui. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père vous a trouvé un royaume. Quelques textes qu'on va nous balancer de l'autre côté là-bas. Par nos bien-aimés, il y a quelques textes que vous allez lire. Vous savez, cette année, nous allons, avant de commencer le culte comme ça, nous allons lire. Nous nous donnons l'occasion de lire la Genèse, ainsi de suite. Dans le texte de Matthieu, il est dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. » Jésus s'est-on approché, l'air parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et donc, pourquoi il va dire même aller faire de toutes les nations mes disciples? Nous allons avec quel pouvoir? Pour aller faire des disciples, avec quel pouvoir? Parce que nous serons confrontés avec les forces, avec les puissances, avec le caractère, avec des valeurs qui sont détruites. Nous avons besoin de ces pouvoirs-là. Ça n'a pas commencé. Allez d'abord, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, et celui qui nous envoie, nous délègue son pouvoir, c'est ce que l'on appelle l'autorité. C'est le pouvoir délégué. Non pas seulement le pouvoir délégué de l'autorité, mais il dit aussi, enseigne-leur. Baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, non pas seulement la capacité qu'il nous donne, non pas seulement l'autorité, mais il nous donne aussi des capacités. Non pas seulement des capacités,
mais des moyens. Dans Ésaïe 31, il est dit, Ésaïe 32, il dit, alors le roi régnera selon la justice et les princes régneront avec droiture. Quand le roi règne, les princes gouverneront. C'est pourquoi nous parlons du roi et nous arriverons là où nous allons gouverner. Qui est le gouverneur? Alors que nous cheminons pendant toute cette année et pendant jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Parce que le royaume de Dieu inclut notre vie de le début jusqu'à la fin parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Et là que le texte que nous avons lu au verset 22 dans Ésaïe 33, on a dit, voilà la personne qui incarne tout pouvoir. Alors le roi, Ésaïe 33, verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Il incarne tout. Il n'a pas besoin d'un Sénat. Parce que lui-même incarne tout. Il n'a pas besoin d'aller présenter son programme à un Sénat. Chambre bicamérale. C'est ça juridique. Bicamérale. Sénat et chambre des députés. Il n'a pas besoin d'aller présenter son programme. Son programme est là. Sa vision est là. Les gens doivent suivre ce qu'il fait. Amen. Amen. Chaque être humain rêve d'un monde parfait. Le plus grand désir, la plus grande quête de l'humanité réside dans sa capacité d'accomplir ses rêves. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il rêve de devenir tel avec des ambitions qu'il a. On ne peut pas arrêter les ambitions des gens. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas arrêter. Même nos enfants, nous ne pouvons pas arrêter. Parce qu'ils sont nés dans la famille avec un projet. J'ai partagé avec ma famille hier dans notre culte familial. Nous avons lu cet équilibre que Dieu a donné. Enfants, obéissez à vos parents. Et ce commandement est suivi d'une promesse pour que vous viviez heureux et que vos jours se prolongent. Mais il dit aussi, parents, ne grissez pas vos enfants. Mais instruisez-les selon le Seigneur. Regarde ce que la Bible nous enseigne. C'est-à-dire quoi? Nous aspirons tous au pouvoir, avoir la capacité et l'habileté nécessaires pour contrôler les circonstances et notre destinée. Mais nous voyons bien à travers notre propre expérience que nos rêves ne correspondent pas à notre réalité. Des fois, la réalité que nous avons sur le terrain, autour de nous, est à l'encontre avec nos rêves. C'est pourquoi il y a frustration, il y a découragement, il y a même suicide. C'est pourquoi, lors d'une crise, par exemple, quelques exemples, les gens veulent savoir vers qui se tourner. Il y a une crise, il y a un problème. On cherche vers qui se tourner, qui a l'autorité et la capacité pour résoudre le problème, qui peut apporter la stabilité et maintenir la paix et la postérité. Nous tournons le regard vers quelqu'un. C'est ce désir-là. Dieu a placé dans l'homme les capacités d'avoir le pouvoir, les capacités, l'autorité déléguée. Mais aussi lorsqu'il y a quelque chose, l'homme tourne toujours. Mais on devait tourner vers qui? Est-ce qu'on devait tourner le regard vers l'homme ou bien on devait tourner le regard vers la personne qui a tout pouvoir? L'exemple que nous avons lorsque le président Ronald Reagan a été ciblé d'une tentative d'assassinat au début même de son premier mandat, la presse
a voulu savoir qui dirigerait le pays pendant son opération et sa convalescence. Vous imaginez des gaffes que quelques personnes peuvent prendre, l'audace de dire, écoutez ce que son secrétaire a dit. Et il a été même critiqué par la presse. Son secrétaire, il va annoncer ceci. Je contrôle la situation présente. Je contrôle la situation présente. Est-ce qu'il avait un mandat pour contrôler la situation? Du point de vue législatif, il n'avait pas d'y exercer ses rôles parce que ce n'est pas lui. Sur le plan législatif, ce n'est pas lui le secrétaire qui va déclarer qu'il contrôle. Il en avait la capacité, peut-être, mais il n'avait pas l'autorité légale exercée pour exercer de telles responsabilités. Vous voyez, certaines personnes sont tellement audacieuses, qui peuvent déclarer des choses. Vous pouvez avoir la capacité, mais vous n'avez pas l'autorité. Je maîtrise la situation actuelle. Mais légalement parlant, il n'avait pas le mandat. Il n'avait pas le mandat, mais il pouvait avoir peut-être des capacités de manager, mais il n'avait pas le pouvoir. Ça, c'est savoir avoir les capacités et non le pouvoir ou l'autorité. Lorsque l'ouragan, par exemple, Catherine, qui a frappé la Nouvelle-Orléans, entraînant son lot de souffrances et de morts, les représentants locaux et fédéraux critiquaient sur la façon dont ils avaient géré cette crise. Mais les critiques étaient, ils avaient l'autorité pour faire face à l'urgence de la situation, mais apparemment, ils n'avaient pas les capacités pour répondre aux nombreux besoins. Vous pouvez avoir aussi, de l'autre côté, l'autorité, mais vous n'avez pas la capacité de résoudre le problème. Mais c'est lui que nous pouvons parler ici. C'est lui qui est le roi pour l'éternité. Il a à la fois. Je crois que ça passe aux oreilles des autres. Parce que nous vivons dans une république. Vous pouvez avoir des capacités. Dites à quelqu'un, vous pouvez avoir des capacités. Mais vous n'avez pas l'autorité. Mais vous pouvez avoir l'autorité. Mais vous n'avez pas des capacités. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? C'est pourquoi nous sommes en train de parler du royaume, frères et sœurs. Nous qui sommes nés vers 1900, ouais, quoi que vous êtes nés en 1960, ça s'appelle l'indépendance, mais nous qui sommes nés avant 1960, nous comprenons l'exercice du royaume. Et je peux nous expliquer quel est le fonctionnement du royaume. Et ce qui est bien, c'est que le Christ est venu lorsqu'il y avait un royaume. Et Dieu a voulu, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, c'est-à-dire né sous le royaume. Il est né, lui le Christ, sous un royaume où il y avait des représentants, des gouverneurs qui représentaient l'empereur de l'Empire romain. Ici, notre incapacité à trouver des solutions concrètes aux problèmes trouve souvent un écho dans notre propre vie. Comment? Lorsqu'une récession, par exemple, pour ceux qui sont allés en Angola, qui fuyaient le Congo pour aller en Angola,
lorsqu'une récession survient, nos rêves sont anéantis. Une récession arrive, comme il y a eu démonétisation. J'ai vu en Inde, lorsque le président a décidé que le billet de 5 000 roupies et 10 000 roupies ont été dévalorisés, je voyais un Indien qui brandissait les billets de banque et qui disait, mais à quoi bon? Il avait autant dans ses mains. Mais ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une circonstance qui nous amène à ce que nous soyons découragés. Nos espoirs, nos projets, nos ambitions sont anéantis. Ou quand nos enfants, par exemple, traversent une période d'autodestruction, surtout à l'adolescence, on se pose la question de savoir qui maîtrise la situation. Avec la situation d'Nkuluna aujourd'hui, qui peut maîtriser cette situation d'Nkuluna? Qui peut maîtriser ce qui se passe à l'Est? Qui peut maîtriser nos enfants avec le téléphone qui tient à la main? Vous pensez que l'enfant est en train de dormir? Oh, il est dans sa chambre, il est en train. Vous pensez qu'elle est en train d'étudier? Mais toute la nuit, parce qu'il y a l'occasion d'avoir autant de mégabats la nuit, et je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé seulement de donner des mégabats à partir de 23 heures. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous ne savez pas ça? Les mégabats nous sont donnés à quelle heure? À partir de quelle heure? 23 heures jusqu'à? C'est pour vous priver du sommeil. Vous pensez contrôler. Qui va contrôler ça? Vous pensez que l'enfant est en train de dormir et le matin, on est lourd pour se réveiller. Frères et sœurs, et nous sommes dépassés et nous aspirons à vivre en harmonie, en paix, en retrouver pour retrouver le bien-être familial perdu. Par exemple, sa femme ou le mari, vous voyez que papa est là, oh, papa est en train de jouer aux jeux de quoi, de loterie ou de quoi dans la rue, hein, des chevaux, des courses et des chevaux, les 500 ou les 1000 francs ou les 10 000 qu'il pouvait prendre même les mopicots de Thompson, il dépense ça, hein, pour... quels sont les chevaux qu'il y a? Est-ce qu'il y a... C'est pas vrai ça? Quels sont les chevaux? Et puis après quoi, il vient à la maison, il n'a rien du tout. Et il demande à maman, bon, vous voyez ça? Mais vous voyez ça? Mais il y a 10 000 francs. Et si nous souhaitons avoir l'autorité et le pouvoir de changer nos circonstances, fuite, quelle est la fuite pour certains? Parce que nous souhaitons avoir l'autorité et le pouvoir de changer nos circonstances. La fuite de quelques-uns, c'est d'entrer dans les sociétés secrètes. Et vous savez, Satan est maître de ces choses. La fuite pour chercher à dominer les circonstances, c'est entrer dans l'occultisme, les fétiches, et des fois, même à sacrifier nos propres vies ou nos propres familles. J'ai vu un neveu qui allait ici à Lunda à l'époque. On lui a dit que pour avoir de l'argent, il a fallu chercher un sacrifice dans la famille, mais comme il n'a pas trouvé, un jour, le féticheur lui avait dit que c'est sa propre vie, il va payer sa propre vie. Il a dit, non, pas ma vie, mais prenez une partie de ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il s'est bagarré avec les amis
Et un ami lui a donné un coup. Non, c'est pas. Les deux personnes s'est bagarrées. Lui est allé les séparer. C'est pas lui qui s'est bagarré. Et quand il les a séparés, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tourné, il lui a donné seulement une coudée. Et tous les dents de devant étaient partis. Et tous les dents étaient partis. Il avait de l'argent. Et ses dents, il ne les a pas retrouvées par terre parce que c'était disparu. Et ses dents sont allées chez qui? Nous ne savons pas. Il a eu de l'argent. Quelques jours après, nous étions là. À l'époque où nous avons commencé l'arche, ici au bureau, là où se trouve le papa Jouvien, le directeur Jouvien, et il est venu avec plus de 60 000 dollars. Je lui ai dit, mais d'où vient cet argent? Il a dit, vous avez un diamant là-bas et j'ai vendu. Et puis, je lui ai dit, bon, avec cet argent, tu veux faire quoi? Je vais acheter une maison. Jour après jour, il venait retirer 500 1500, ainsi de suite, et il est mort. Il a laissé deux enfants aujourd'hui sans maison, sans quoi que ce soit. À la recherche de quoi? Du pouvoir. Mais il y a celui qui a tous les pouvoirs. La capacité à l'influence ou la capacité à contrôler les circonstances, c'est inné dans l'homme. Parce que Dieu lui avait donné le pouvoir. Le désir de pouvoir est un principe issu même de Dieu. Et nous voulons parler d'abord du concept royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est l'autorité qui gouverne sous l'influence d'un souverain. Et lorsque nous lisons Ésaïe 33 que nous avons lu, nous trouvons ceci. Car l'Éternel est notre juge. Juge, c'est la justice. N'est-ce pas? Juge, c'est la justice. L'Éternel est notre législateur. Et l'Éternel est notre roi. Il incarne tout pouvoir et il est dit en bas, c'est celui qui nous sauve. Amen. L'autorité qui gouverne sous l'influence d'un souverain, qui exerce son impact sur son territoire à travers sa volonté, ses projets, ses intentions qui sont manifestées dans la culture, dans le mode de vie et dans la valeur de ses habitants. Un roi doit avoir un territoire, un domaine d'autorité dont nous appellerons son domaine royal ou son royaume. On ne peut pas être roi sans avoir de territoire. Il faut pouvoir régner sur quelque chose. Mais Dieu règne non pas sur quelque chose seulement, mais il règne au ciel, sur la terre et sur toute l'humanité. Amen. C'est celui qui contrôle toutes choses. Et on ne peut pas être roi, je disais, sans royaume. Dans un royaume traditionnel, tout le pouvoir réside dans le monarque. Le roi possède personnellement le pays et ses habitants. À la différence d'un président, d'un premier ministre qui est simplement le représentant du gouvernement et ne possède pas le pays, il gouverne et non au nom du peuple. C'est pourquoi Dieu sera élu par qui? Nous nous posons la question. Dieu sera élu par qui? Oh, mais répondez avec moi. Dieu sera élu par qui? Qui a élu Dieu? Que vous le voulez ou pas, il est qui? Wow. Mais c'est un premier ministre, un président, on peut dire que il n'a rien, il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est au nom du peuple, il gouverne au nom du peuple.
Et c'est le peuple qui lui donne le mandat. Mais Dieu, il n'y a aucune personne qui donne à Dieu le mandat. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Dieu ne règne pas avec mandat. Il règne sans votre mandat. Que vous le voulez ou pas, il règne. Mais contrairement à Dieu, Satan ne règne pas sur tout. Parce qu'un jour, il est allé dans la présence de Dieu. Dieu était avec ses fils qui étaient là pour l'adorer. Et l'ennemi vient. Et qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec une accusation. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Je viens... Je viens me déambuler. C'est-à-dire le but du diable, diable à waya wayaka. C'est-à-dire, quand vous êtes du diable, yopi tout n'a fait na yopembe. Est-ce que waya wayaka? C'est ça le problème. Mais quand Dieu lui pose, d'où viens-tu? Je viens me déambuler. Mais Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu dans mon serviteur? Dans qui? Mettez votre nom. Qu'est-ce que tu as vu? Mettez votre nom. Qu'est-ce que tu as vu dans qui? Il a dit, oui, mais vous savez, si lui t'aime là, parce que tu lui as donné tout. Tu lui as fait ceci. Essaye de lui arracher. S'il avait tout pouvoir, est-ce qu'il allait demander à Dieu, essaye de lui arracher? C'est pourquoi nous devons comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons savoir, nous sommes devant qui lorsque nous adorons. Et des fois, nos paroles, c'est pourquoi la Bible nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Ce que vous déclarez dans votre langage, c'est ce que soit vous serez victime ou vous serez vainqueur. Et il pose la question à Dieu. Essaye de lui arracher. Et comme lui est l'auteur du mal, parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu lui a dit, va. Arrache-lui tout. Arrache-lui. Mais quant à sa vie, dites avec moi, quant à sa vie. Ah, vino et dans ma boko en colo. Vino et dans ma boko en colo. Le banane de Komoko, vino et dans ma boko en colo. Vous savez, il y a des gens qui ne déclarent que les sorciers. Si tout ne marche pas, sorcier. Si tout ne fait pas ceci. Où est la place de Dieu? Nous avons élevé celui qu'on ne peut pas lever et nous avons diminué celui qu'on ne peut pas diminuer. Celui qui est élevé éternellement, c'est Dieu. Celui qui doit être honoré éternellement, c'est Dieu. C'est pourquoi lorsque nous chantons ici, lorsque toi tu t'élèves, même le cœur brisé, les cœurs sont consolés. Ils reviennent à toi. Nos cœurs reviennent à toi. Nous retrouvons la joie de vivre en toi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous chantez. Vous trouvez quoi lorsque vous chantez? C'est en toi seul que je retrouve la joie de vivre. Ma joie de vivre n'est pas dans l'or et l'argent. N'est pas dans une position quelconque, n'est pas dans le nombre de diplômes, n'est pas dans les maisons, n'est pas dans les voyages, n'est pas dans ce que nous possédons. Mais ma joie de vivre, c'est la présence du roi dans ma vie. Ouh! Quelle est votre joie de vivre? Nous voyons les autres quand ils chantent. Retrouvons la joie de vivre quand nous sommes dans ta présence. Nos craintes sont fouillées. Que les craintes qui sont dans votre cœur s'enfouillent.
Oh, je l'ai dit, que cela s'enfuit. Même si aujourd'hui vous n'avez pas, mais vous ne mourrez pas avant que vous, avant de recevoir ce que Dieu. Je ne mourrai pas. C'est pourquoi David, ce jour-là, même s'il traversait, il a dit, je ne mourrai point. Les cris de triomphe s'élèvent sous la tente d'un juste. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de qui? De l'Éternel. C'est pourquoi David devait déclarer, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses une table devant mes ennemis. Tu oins ma tête de ton huile et ma coupe déborde. Mais je sais une chose, Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Non pas un jour, mais tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh my God. Frère, sœur. S'il vous plaît. Je disais à Lumbashi que vous acclamez ou pas, vos acclamations ne m'intimident pas. Parce que je sais ce que je parle là. Et je vis ça. La maman est témoin. Des fois, vous dormez et puis nous passons des fois des nuits sans dormir. Frères et sœurs, le problème, il est dit, mon peuple périt, non pas faute de démons, non pas faute des sorciers, non pas faute de l'oncle. Mais mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Et si vous avez refusé la connaissance de l'Éternel, c'est pourquoi vous êtes privé de toutes ses faveurs. Alléluia. Alléluia. Le désir de pouvoir est un principe, même ici, de Dieu. Même si l'on n'exprime pas, peut-être pas, mais en fait, on souhaite maîtriser nos circonstances, faire face. Et chercher à régler nos problèmes personnels, familiaux ou globaux. Ou chercher à nous bâtir une meilleure vie. C'est pourquoi certaines personnes ne cherchent à bâtir leur vie que sur le sang. C'est pourquoi la Bible nous dit, malheur à celui qui bâtit sa maison avec le sang. Ils bâtissent leur pouvoir par le sang. Ils bâtissent leur maison par le sang. Comme on le voit un jour en Australie, alors que nous arrivions, j'ai vu les Australiens dans la rue. Je voyais Congo, Congo. Blood, coltan. Coltan de sang. Les Australiens qui ne sont pas des Congolais. Qui ont dit que nous ne voulons pas dans notre nation le coltan de sang. Ils parlaient à toutes ces sociétés qui viennent ici au Congo avec les multinationales pour venir verser le sang. Certaines nations qui ont des valeurs bibliques ne peuvent pas accepter ces choses. Qui ont des valeurs du royaume ne peuvent pas supporter ça. Sauf le vautour. Sauf de rapaces qui acceptaient ça. Regarde David. Deuxièmement, nous avons compris les concepts du royaume,
Le désir du pouvoir est un principe ici de Dieu pour l'humanité. Pourquoi? C'est le deuxième point. Pourquoi? Parce que Dieu avait tout donné à l'homme. Dans le psaume 115, le verset 15 à 16, il est dit ceci. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait quoi? Le ciel, Zéla et la terre. Qui a fait le ciel et la terre? C'est l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le verset 16. Les cieux sont les cieux de Dieu, de l'Éternel. Et il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu, qui est le roi créateur, avait donné à l'homme la terre. C'est pourquoi nous avons lu dans Ésaïe 32. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. C'est-à-dire l'homme était un prince. Dis avec moi prince. Saluez quelqu'un. Si c'est une sœur, dis-lui princesse. Saluez quelqu'un, dis-lui prince. Peut-être vous dites, mais en quoi je suis prince? Prince, c'est en Arabie Saoudite, mais ici au Congo, en quoi je suis prince? Mais cela ne change pas ce que Dieu voulait. Cela ne change pas la déclaration de Dieu. Il a dit que le roi, qui est Dieu lui-même, il est roi. Roi créateur. Il a dit le roi, alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront. Waouh! Un prince qui gouverne, c'est qu'il a l'autorité. Il a le pouvoir. Il gouvernera avec droiture. Voilà ce que Dieu voulait pour l'homme. Il a donné à l'homme. C'est pourquoi nous disons, ne crains point les petits troupeaux, car votre Dieu a jugé bon de vous donner quoi? C'est que la terre était la colonie de Dieu. Waouh! You are with me? Dis, le Dieu est le créateur. Dis avec moi, Dieu est le roi créateur. Et il a donné l'homme la terre comme prince qui gouverne. C'est sa colonie. Le Congo était la colonie du royaume d'où? Vous oubliez l'histoire. Vous oubliez l'histoire. Vous voyez les enfants qui sont nés en 1965 et 62. Ils ont vu seulement le trouble de la rébellion, mais ils ne savaient pas pourquoi la rébellion. Parce que on les a arrachés le pouvoir par l'indépendance. C'est que, comme nous sommes là, le Congo et la Belgique, je ne veux pas représenter le royaume de Dieu comme le royaume de Belgique qui est là. Vous savez, aujourd'hui en Europe, c'est un petit pays, la Belgique. Mais dis, pose-moi la question, où se trouve le Parlement de l'Union européenne? Ça se trouve où? Pourquoi pas dans une autre nation? Pourquoi pas? Mais il dit, ne crains point petit troupeau, même si vous êtes petit, comme la Belgique est là, en toi, il y a le royaume. Amen. Amen. C'est que ce désir, ce pouvoir, le désir de pouvoir, est un principe ici de Dieu lui-même. C'est pourquoi l'homme
cherche toujours le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a dit, le pouvoir corrompt, et corrompt absolument. Même dans la maison, regardez le comportement de nos parents. Même quelqu'un qui vous donne une parcelle de responsabilité, regarde comment la personne peut se comporter. Même dans l'église, regarde lorsque nous sommes avec des frères et des sœurs, oubliant que nous sommes des princes ensemble, que nous sommes en train de régner dans la complémentarité, dans l'interdépendance, dans la soumission réciproque. Mais il y a quoi? Il y a une sorte de domination. Et ces dominations, à la recherche du pouvoir, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, les rois de ce monde tyrannisent. Les princes de ce monde dominent, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Que celui qui veut être grand, qu'il soit qui? Le serviteur. Non pas le serviteur du peuple, mais le serviteur de celui qui lui a mandaté vers son peuple à lui. Pourquoi? Parce que les membres qui viennent dans l'église, qui sont ici à l'arche, oui, ce sont des membres que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions les garder en son nom. Mais vous appartenez à qui? Au Seigneur. Vous appartenez à qui? D'abord au Seigneur. Comme Paul a dit, ils se sont d'abord donnés à Dieu et à nous. D'abord, nous devons nous donner à qui? Et après, à nous. Comme la Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs qui veillent sur vos âmes. Nous nous veillons sur les âmes. Mais il y a celui qui est le berger et le gardien de nos âmes qui veille sur vous et sur moi. Jour et nuit, il ne sommeille ni ne dort. C'est celui que nous venons adorer. Amen. Amen. Troisièmement, le pouvoir perdu est la solution de Dieu pour le retrouver en tant qu'héritier. Premièrement, c'est se confier en Dieu. Regarde l'attitude de David. Il était roi. Il a été roi et roi, mais il n'avait pas de trône. Lisez avec moi 1 Samuel, le chapitre 1er, verset 30. 1 Samuel 30, verset 1er. Même dans nos responsabilités, frères et sœurs, des fois, certaines choses nous dépassent. Des fois, lorsque nous voyons des frères venir, nous voir, pasteur, regarde, je n'ai pas pu à payer le frère pour mes enfants. Pasteur, regarde ma situation de loyer, regarde. Vous savez qu'aujourd'hui dans l'église, le plus grand besoin que nous avons dans l'église, c'est le besoin social. 600% de ceux qui viennent voir, nous voir, le 70%, nous pouvons dire 80 ou 90%, c'est le besoin social. 90%. Non, pas seulement un besoin spirituel. Mais regardez ce que David a été. Lorsque David arriva, le troisième jour, à Tiglad, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tigla. Ils avaient détruit et brûlé Tigla. Tigla, c'est la ville. David a fui, c'est les Philistins, où il avait tué Goliath. Et le roi Achish lui a donné une ville qu'on appelle Tigla pour qu'il soit là. Parce que le roi Achish aimait David. Mais lorsque David voulait aller en guerre pour accompagner, Israël est venu combattre les Philistins et Saoul, le roi, était là. Et lorsque David voulait aller pour être du côté d'Achish, en reconnaissance
de ce qu'il a accueilli. Le roi Achish aimait David parce qu'il était guerrier. Mais quelques princes des Philistins, lorsque vous lisez le chapitre 29 pour comprendre le chapitre 30, quelques princes des Philistins ont dit non. Cet homme-là, c'est qui? C'est David. Ils se sont souvenus de ce que David avait terrassé leur géant Goliath. Ils ont dit non. David ne peut pas aller avec nous. Parce que ce peuple-là qui vient nous combattre, que nous allons combattre, c'est son peuple. Il risque de se détourner de nous pour, contre nous, pour son peuple, au détriment de son peuple. Il ne faut pas que David aille avec nous. Et le roi qui s'est venu tristement dire à David, « David, c'est impossible d'aller avec nous parce que le prince, il me menace. Sinon, il va m'assassiner. Alors, il ne faut pas que tu ailles avec nous. » David qui avait la bonne volonté d'aller combattre son propre peuple. Vous savez qu'il y a des gens qui combattent leur propre famille. Vous savez ça? Au détriment même de l'ennemi. Vous savez, il y a des gens qui combattent leurs propres enfants, qui combattent leur propre église, qui ne veulent même pas l'avancement de leur église. Lorsqu'il y a comme l'annonce que nous disons, nous aurons ça, nous allons faire ici. Quand il sort d'ici, qu'est-ce qu'il est en train de croire? Il y a même quelques-uns qui ont découragé les gens. On m'a même dit, juste après que j'ai dit ici avec ma famille, que l'arrange que les bien-aimés ont décidé de nous donner, le Seigneur nous a mis à cœur de donner pour que l'on puisse continuer notre participation pour ce temple. Et maintenant, quand je suis allé à Lubumbashi, un bien-aimé a entendu ça. Il a dit, pasteur, j'ai entendu ça. Est-ce que tu as déjà vendu ça? J'ai dit, non, ça y est encore là, il faut un client. Et un bien-aimé m'a écrit, j'ai dans mon WhatsApp, tout à l'heure là, avant de venir ici au bureau, il m'a écrit, papa, à cause de ce que vous avez fait, moi je vais prendre ça pour ma femme. Je vais donner l'argent. Garde-moi ce jupe-là. Ce jupe-là est précieux parce que ça a été offert à Dieu. Il ne faut pas qu'un païen puisse acheter ça. À Lubumbashi, il vient de m'envoyer un WhatsApp avant que je ne monte ici. Et juste après avoir ma fille, quand elle a parlé ici à Nice, parce qu'il a consulté son frère, moi je lui ai dit ce que Dieu m'avait dit. Nous nous concertons dans la famille. Et nous avons donné ma position, j'ai dit ce que Dieu m'a dit. J'ai mon esprit, dans mon esprit, je n'ai pas dit ce que Dieu m'a dit, mais dans mon esprit, j'ai saisi une pensée, mais qui ne peut être que Dieu, de faire ça. Et quand nous avons partagé, ma fille a dit, oui papa, moi aussi, je voyais ça. Il a partagé avec son frère a dit non, que ça soit ainsi. Et finalement, un bien-aimé est venu dans mon bureau. Il a fléchi le genou pour dire, papa, ce que vous avez fait, je comprends maintenant. Je peux me rassurer maintenant que votre Dieu parle. Pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Pete a parlé, j'étais autour avec quelques personnes. Et juste après, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi ça? Pourquoi on doit demander ça? Je n'avais même pas consulté Pita. Nous n'avons jamais parlé de ça. Il est venu ici parce qu'il était malade, avec ses yeux. Et depuis toujours, le médecin n'a pas... Il a été opéré 6 fois d'yeux. Et la 7e fois que le médecin voulait opérer, il priait avec sa femme. Et ils ont saisi dans leur esprit la pensée de dire que allez au Congo, que votre père prie pour vous.
Ils ont payé le billet et il est venu. C'est ça ce que moi je savais de la venue de l'apôtre Pierre. Je ne savais rien, pas autre. Et ce jour-là, je n'étais pas ici, j'étais à la borne. J'étais à la part éternelle. Et ce frère, il est venu avec larmes. Papa, regarde, je ne veux pas, mais je dis ma part aussi. Ma part, parce que dans moi aussi. J'avais dit, mais nous avons la maison, pourquoi un autre appel de fond? Ça dit, c'est comme le jour où cette femme-là est venue avec des parfums pour oindre les pieds de Jésus-Christ. Il a brisé le parfum. Et Judas qui était là, il a dit, pourquoi ce gaspillage? Est-ce que ce qu'on donne à Jésus est gaspillage? C'est quelques personnes pensent. Parce qu'il vient des endroits, de milliers, des églises. Il est vrai que nous, pasteurs, des fois, nous avons abusé de nos discours pour faire l'appel des fonds. Il est vrai. Et lorsqu'il a prié, moi je lui ai dit, fils, moi je bénis Dieu, comme vous le voyez là, moi je crois que ce n'est pas Dieu, ce que nous avons là, même la maison où je suis, ce n'est pas l'arche, mais des frères de l'arche. Parce que je peux dire l'arche, pourquoi? Parce que ce sont des frères qui sont des membres, qui sont venus, papa, nous ne voulons pas que tu sois comme ça. J'en ai vu plusieurs qui se sont privés avec des montants colossaux. Papa, pour ça, nous voulons faire ça. Ils ont amené dans cette église, nous avons reçu un bien-aimé avec 100 000 dollars chez moi à la maison, pas au bureau. Ces bancs, ces chaises ont été commandées d'Afrique du Sud. La fin de tous ces travaux, avec cet argent, le bien-aimé Bernard, que son âme repose en paix, un enfant, un bien-aimé qui touchait mon cœur. Vous savez, on peut remplacer quelqu'un. On peut prendre sa place, mais on ne peut pas le remplacer. Chacun de nous est unique dans ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je vous dis non pas qu'il n'y a pas de frère qui peut faire ça. Le frère Joseph, qui est un pédagogue, il est en train de se débrouiller avec ceux qui sont là, avec Maman Lydie, avec l'équipe d'autrefois, comme Papa Mwamba, comme les autres qui nous ont aidés ici, avec Papa Balazir et dans l'équipe de finances, ainsi de suite, pour conseiller. Que le Seigneur le bénisse. Et je dis, Seigneur, merci pour cela, frère. Mais vous savez, Dieu ouvre toujours les portes. J'en ai vu des frères dans le bureau qui sont très ténés. Vous voyez les passions avec l'apôtre Peter, mais il ne me disait rien. Moi, j'étais surpris en ville. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est confier en Dieu. Dis avec moi, c'est confier en Dieu. Vaut plus que tout, parce que Dieu, c'est votre source. Dites à quelqu'un, Dieu, c'est votre source. Et lorsque David est arrivé, le roi, là, lui a dit, non, David, partez. Il est parti avec les gens et les Amalécites et les ennemis. Ils sont venus, après, verset 2, après avoir fait prisonnier les femmes, tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Le verset 4, vous pouvez lire avec moi. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent quoi? Et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus quoi? La force de pleurer. Il vous est arrivé une fois où vous avez pleuré, et vous n'avez plus la force de pleurer? Est-ce que vous êtes arrivé une fois?
Parce que la situation est difficile. Il ne pouvait pas comment surmonter cette circonstance. Lorsque je vois la maladie de ma femme, lorsque je vois la mort de mon fils qui est en train de partir, lorsque je vois que je n'ai pas l'argent pour payer les frais académiques de mes enfants, lorsque je vois que nous ne pouvons pas payer le loyer et nous sommes dans l'incertitude et la fin du mois, nous ne savons que faire avec tout ça. Vous pouvez mettre ce que vous passez, frères et sœurs. Les deux femmes de David avaient été emmenées aussi. Achinoa des Israël, Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le verset 6, lisez avec moi. David fit dans une grande, car le peuple faisait quoi? Waouh! Parce que ils avaient de l'amertume où? Dans leur âme. Chacun à cause de qui? Mais. Disait avec moi, mais en s'appuyant. Amen. David a trouvé le courage en s'appuyant sur l'homme, en s'appuyant sur lui-même, en s'appuyant sur ses capacités, mais en s'appuyant sur la source Abba. Frère, c'est là où nous pouvons trouver notre force. Lorsque nous ne savons rien que faire, avec ce qui se passe dans nos vies, avec ce qui se passe dans nos familles, cherchons le refuge au Seigneur. Enfin, le psaume 56. Écoutez David. Vous allez prendre le psaume 56 et le psaume 57. À partir de 55 même, lisez ça. Vous allez voir comment David parle. Prenez seulement le premier verset pour voir comment David s'est confié en l'Éternel. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu l'aimait plus que les autres. Il dit, ô Dieu, prête le verset, chapitre 55. Nous prenons le premier verset. Ô Dieu, prête l'oreille à quoi? Ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai fait quoi? J'erre ça et là dans mon quoi? Et j'ai fait quoi? Je m'agite. J'erre ça et là. Vous errez ça et là. Vous êtes là. Au commun, il n'y a pas un bateau au jour où il y a un bateau. Vous allez changer quoi? Vous allez changer quoi? Ça, c'est à la recherche d'une solution. Il y a les autres qui sont allés plus loin. J'ai entendu les gens qui viennent et quelqu'un est venu pour me dire, mais ah, papa, regarde, il y a ce pasteur qui est entré là, mais qui est en train de parler mal. Le pasteur Vernon est mort. Mais pourquoi il doit parler mal de lui? Mais il dit, mais regarde, le pasteur Vernon était vraiment injuste. Il était le pasteur de tout le monde, mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait en train de construire. Regarde ce que la parole de vie est en train de construire. Regarde ce que... Est-ce que nous construisons avec l'argent que le pasteur veut nous distribuer? Lui-même est mort sans appartement. Il n'a laissé à ses enfants aucun appartement. Il est enterré au Congo, à Sonabata. Il est allé avec quoi? Il est allé avec quoi? Le psaume 56. Ayez pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Les hommes me font quoi? Tous les jours, ils me font quoi? Ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains.
Quand je suis dans la crainte en toi, je fais quoi? Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous. Parce que confiez-vous au roi et le roi sera votre solution. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Et par sa grâce.